Ce matin, c'est le lancement national de la campagne signalisation des communes hors taffetas. Et je vais passer la parole à Didier Touzis qui va vous expliquer un petit peu ce qu'est cette signalisation des communes hors taffetas. On a l'impression de vivre dans un pays où l'information circule à la vitesse de la lumière, où les gens sont surinformés. Bien sûr, sur cette question, personne ne sait rien. Donc, il nous a semblé que le fait de mettre simplement, de signaler à l'entrée des communes pouvait servir efficacement à véhiculer, en tout cas à susciter d'abord la curiosité et ensuite à inciter les gens à venir s'informer. Cette campagne va être reprise au niveau de l'ensemble du territoire français avec les mêmes panneaux. Je suis très heureux de vous accueillir ici à Pont-Morest pour cette manifestation, pour cette première manifestation de la journée, parce qu'il y a, comme vous savez, une seconde à Tarnos cet après-midi. Donc, c'est vrai qu'ici à Pont-Morest, nous avons été sensibilisés assez rapidement et nous avons décidé à l'unanimité de délibérer donc, pour être opposés. Et bon, mon analyse de la contagion technocratique, elle est en train de gangréner notre société civile. Ce mouvement est tellement évident, ouais. Pourquoi il n'y a pas plus de résistance? Et ce sont les valeurs fondatrices de notre démocratie, de nos valeurs humanistes, qui sont en train de passer par-dessus bord. Et bien sûr, les citoyens sont dépassés quand ils ressentent une véritable rupture de civilisation. Tôt ou tard, je pense qu'il y aura une résistance et une montée des mouvements du terrain. C'est la logique capitaliste. Du grand marché mondial, d'une oligarchie financière mondialisée, de la technocratie désaffiliée que le TAFTA nous impose. Les grosses multinationales de truquer le système pour accroître leurs bénéfices à nos dépens. Non, la ruralité n'est pas archaïque, elle est ce grand espace de la démocratie de proximité, des choses à visage humain, ondoyantes et savoureuses, comme disait Montaigne, notre Montaigne-Gascon, qu'il faut revitaliser au lieu de désertifier. Résistons ensemble, retrouvons-nous plus souvent pour résister. Merci à vous tous. Le conseil départemental a délibéré le 3 novembre 2014 contre les accords TAFTA, interpellé aussi dans la logique de... Dans la logique de nos valeurs, je crois qu'aujourd'hui, ce que vous faites, ce que nous faisons tous ensemble, c'est important et c'est un début. Et au contraire, ça doit donner de l'espoir. Et j'ai bien aimé ce que vous avez dit tout à l'heure, que la photo devrait être joyeuse. Voilà, parce que c'est un exemple qui est mis en place aujourd'hui pour donner envie aux autres de nous rassembler. Dans ce département, on en a mené des combats. On a mené celui de l'eau. Contre la privatisation de l'eau. On est tout à fait associé avec cette lutte. Voilà, nous voulions vous apporter clairement notre soutien. Merci, madame. Je donnerai maintenant la parole à monsieur Froustet, maire de Vieux-Boucau, qui représente ici la communauté de communes Max, Marraine, Adour, Côte-Sud, et qui est une des premières communautés à avoir pris une délibération contre ce TAFTA, et il faut dire une délibération radicale, en ce sens qu'elle demande l'arrêt des négociations, et si on arrête les négociations, si la France se retire des négociations, le TAFTA, on n'en parle plus. Je vous rappelle que Marraine, Adour, Côte-Sud, c'est 23 communes sur le territoire, sur le sud des Landes, 23 communes donc, qui ont pris la décision, cette décision très forte, comme vous l'avez dit, qui est non seulement de se déterminer contre TAFTA, mais aussi de demander immédiatement l'arrêt des négociations. C'est donc une décision assez forte. Bon, ce que je voudrais dire simplement, c'est qu'effectivement, ça fait l'objet d'un débat au sein de la communauté de communes, qu'il est apparu que aussi bien sur la forme, c'est-à-dire sur l'opacité des négociations, effectivement, on l'a dit, que sur le fond, c'est-à-dire les conséquences. Je crois que tout le monde ici est conscient des conséquences environnementales, sociales et économiques de cet accord s'il est signé. Enfin, on s'est tous déterminés contre, et donc ça va être ensuite décliné
dans les communes qui participent à la communauté de communes. Je pense à juste titre que cet accord viendrait en contradiction complète avec le travail qui est mené et qu'on souhaite mener encore très longtemps par rapport à ces projets-là. Voilà, donc ce que je souhaite, c'est qu'effectivement, ce que nous souhaitons, c'est que d'autres communautés de communes participent à ce mouvement de manière très effective et très rapide pour qu'il soit généralisé à l'ensemble des communautés de communes. Et qu'effectivement, on amorce un mouvement de fond qui permette de renverser la tendance qui nous semble néfaste aujourd'hui. Avant de passer la dernière parole à Frédéric Vial, je voudrais faire un peu de promotion. Donc, voilà. Donc, le panneau, c'est. Effectivement, pour accompagner les prises de décision, les délibérations des communes et des communautés de communes, pour faire savoir aux citoyens, etc., etc., etc. Et pour vous simplifier la vie, on a proposé un panneau clé en main. Voilà. Il coûte 17 euros. On ne gagne rien dessus. On peut même dire que la personne qui le fait, c'est fait localement, c'est fait à Josse, par quelqu'un qui fait ça et qui ne doit pas gagner grand-chose non plus dessus, et peut-être et qui est présent, et peut-être même rien du tout. Voilà. Donc il suffit de passer commande au collectif TAFTA. Donc vous avez compris que nous, on n'est pas marchands de panneaux, mais c'est quand même un bon moyen de communiquer les prises de décision. Cet après-midi à Tarnos, nous avons une conférence avec M. Frédéric Vial qui descend tout droit de Paris. Merci. Wow. Bravo. Merci. Voilà. Et donc je lui passe la parole avant notre petite photo sympathique. Bonjour à tous et à toutes. Alors, effectivement, là, ce qu'on est en train de faire avec l'inauguration de cette campagne, c'est un point important parce que nous devons nous inscrire dans le temps. Et une des raisons pour lesquelles cette campagne-là est importante, c'est que c'est le début de quelque chose qui s'inscrit dans le paysage. Mettre des panneaux, on s'inscrit dans le temps, on fait quelque chose, un acte politique fort finalement. Souvent dans mes conférences à travers la France, on me dit mais pourquoi les collectivités locales se déclaraient hors TAFTA, puisque de toute façon, une collectivité locale, elle n'a pas la possibilité de désobéir aux lois de l'État. Et il n'est pas question de ça, il n'est pas question de désobéir aux lois de l'État. Mais il s'agit d'une prise de position, d'un acte politique important, d'un acte politique fort. Pourquoi cet acte politique fort ? Parce que d'abord, c'est un acte de résistance. C'est dire qu'on a compris que ces accords de libre-échange, je parle au pluriel parce qu'en réalité, on parle du TAFTA, mais il y en a deux en fait. Hein. Il y a Union européenne, États-Unis, c'est le TAFTA, mais il y a aussi Union européenne, Canada, le CETA. Mais c'est pareil. Ces accords de libre-échange ont des conséquences dans la vie quotidienne et on s'en aperçoit, les élus s'en aperçoivent et il n'est pas question de se laisser faire. Et donc cet acte de résistance, c'est important de le marquer officiellement, de l'inscrire et de dire voilà, aux gens qui font ce genre de choses, qui négocient ce genre de traité, il n'est pas question de vous laisser faire. Il ne sera plus question au moment de passer devant le Parlement européen de ratifier ces accords facilement s'il y a beaucoup de collectivités territoriales qui se sont déclarées contre le TAFTA et éventuellement aussi contre le CETA. Tout à l'heure aussi, Madame Laffitte nous a donné un exemple. Pourquoi il fallait se déclarer contre le TAFTA quand on est une collectivité territoriale ? Le simple fait, par exemple, que le département prend la décision, ce qu'a fait le département ici, d'aider les collectivités locales à repasser en régie de l'eau, qui est une décision politique importante, cela ne serait plus possible avec ce type d'accord, parce qu'il s'agirait d'un obstacle, ce qu'on appelle dans le jargon un obstacle technique au commerce, une discrimination, et les entreprises fermières de l'eau qui attaqueraient ce genre de décision, aujourd'hui perdent, mais avec l'accord, demain gagneront. Et donc on voit bien que avec ces accords-là,
il y a un espace politique qui est restreint. Et donc là, nous sommes au début d'une résistance qui devra s'inscrire dans la durée. Et grâce à cette campagne, nous allons ici, dans les Landes, commencer une campagne nationale parce que d'autres collectivités territoriales également mettront des panneaux. D'autres collectivités territoriales feront savoir pourquoi elles se sont déclarées hors TAFTA et ainsi, petit à petit, montrera le niveau de conscience dans la population du caractère nocif et complètement inacceptable sur le plan démocratique de ce type d'accord. Merci pour votre action, merci pour tout ce que vous faites et nous démarrons là une campagne importante. Merci beaucoup. Merci à toi. Maintenant, nous allons procéder à l'inauguration officielle donc, du panneau, du premier panneau de France. Ah. Allez, jusqu'à combien on compte?